Salut tout le monde, c'est Silent et nous retrouvons sur Binding of Isaac Rebirth, toujours sur The Lost, en mode hard. Alors, hop, super. Ouais bon, on va quand même voir ce qu'il y a là-bas. Merci. Putain, la salle dorée, avec l'autre salle qui troll derrière. Ouais bon, hop, on fait vite fait ça. Et... ouais c'est cool. C'est cool, Mom's Wig qui fait apparaître des araignées de temps en temps. C'est très très bien. Ouais, le troll. Curse of the Maze. Incroyable. Date coupe de cheveux quand même, c'est assez... oh putain. Date téléportation surtout. Voilà, vous voyez là, il y a une super baraque qui a spawn, une deuxième derrière. C'est très très bien, c'est très puissant. On est bien content. Putain. C'est marrant parce que c'est un petit peu, j'ai l'impression aléatoire qu'on va le spawn ces araignées. C'est pas forcément en touchant même les ennemis, des fois elles spawn comme ça. Je sais pas trop. Alors... hop, le pestibleu, bleu, il fait quoi de foncer celui-là ou ça se passe comment? Oh là, il fait quoi de foncer je crois, hein, et ça m'a pas l'air cool du tout. Putain. C'est quoi ce pesti version retard? Pesti famine. Wow. Ok. Oh putain de bordel! Oh bah ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ah! Ça s'en est mort. Bon allez, deux petits corps à tuer, j'en ai trois. Ça va être très rapide. Ah putain de cancer land. Mais... ouais c'est cool, parasite qui split les tirs quand ils atteignent une cible. Liberté qui fait absolument rien de négatif hein. En tout cas, je crois que ça fait rien de négatif. Hein. Ça fait comme le bruit si c'était négatif, mais bon, je pense que c'est plutôt pour le fun, genre négatif d'être en mode puberté, voilà, simplement. Oh putain de merde! Oh là là là. Bon, quand on se fait toucher on transforme les ennemis en chacun, ça va pas être du tout utile. Et Pandora's Box, allez, quelque chose de bien. C'est fait. Quand on se fait toucher on augmente nos dégâts. C'est cool parce qu'il y a quand même un bon peut-être 90% des items qui sont morts en fait avec ce perso. Nice, dégâts augmentés. Une larme sur deux par contre, hein. Ça on va pas le piquer du coup. Une bombe, pas des clés, une bombe.
C'est quoi toutes ces clés? Trail of Tears, ok, ça fait un super trait d'eau derrière nous. Que l'elfe et liberté. Là, on va prendre à gauche. Cool. On a besoin d'une bombe hein, toujours. Hein. Oh là là. On s'éloigne un peu. Dernière grande salle, j'espère avoir des petites bombes, ce serait cool. Eh ben rien du tout. Encore deux salles au grand max, mais je crois que c'est la salle... On sacrifie nos points de vie là. Ah non. Oh bah il faut une bombe. Voilà. Widow comme premier boss. Ok. Putain. Je pense que ce petit spider devrait pas s'approcher, ça pourrait le faire. Et hop, Widow morte. Discussion, on augmente des points de vie. Hop, ok. Ça va pas être très dur non plus. Pour rien hein. Limite l'Aquarius le tue tout seul hein. Juste faire attention à son explosion, ça crève, et l'explosion de son petit bébé qui l'accompagne. Ah, il s'explose pas. Bon bah ok. Gimpy qui me servira à rien. De toute façon, on peut pas prendre parce que ben c'est pas bien. Ça empêche de faire apparaître la salle de l'ange. Continuons. Oh putain. Il y a un pro qui nous a déporté à la salle du boss, à la garder pour plus tard je pense. Enfin, c'est possible, plus tard possible. On peut prendre cette pilule, je sais pas pourquoi j'ai pas prise. On va la prendre après. Ah non il réussit, ok. Grosse troll bon, on a SPP. Ouais on n'a pas besoin, on a deux clés déjà. On va le faire je pense. Alors j'ai plus le gris il pète du coup. Enfin gris bleu. On s'éloigne un peu. Oulala. Salle de boss trouvée. Paralysis, ok c'est paralyse, puberté, on s'en fout un peu. Est-ce qu'on fait déjà la salle du boss? Allez on fait déjà le boss. Fallen, oh putain c'est pas le truc au monde. Allez ça va le faire. On espère que ça va le faire. Bon bah voilà. Voilà. C'est fait. Ouais, ok. On augmente à fond notre vitesse de tir, on réduit nos dégâts. Pourquoi pas. On n'a pas de malédiction. Si, Curse of the Unknown. Ok. Unknown, c'est. On sait pas nos points de vie, c'est ça. Je crois. Maze, c'est la téléportation. Curse of the Lost, c'est qui nous téléporte, je crois. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Oh là là, j'en souviens même plus. Le sujet c'est malédiction, c'est tout ce qu'il faut se dire.
là, mais c'est quoi cette salade 10 000 araignées là? Ok. Putain. Allez. Oh putain. Oh putain de merde. Ok. Une petite clé, oui. Il faudrait une bombe. Alerte à la bombe. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi les bombes. Aïe aïe. Putain mais c'est incroyable. On veut pas de clés, on reçoit des clés. On veut des bombes, on reçoit des clés. On veut des clés, on reçoit des bombes. Voilà, c'est toujours comme ça. Il nous faut une deuxième bombe. Oh là 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 là, le gros troll. Et après ils nous mettent dans la salle d'après, la mouche qui explose. Alors tu veux bien sortir du coin là? Je déteste quand les araignées elles font ça, c'est vraiment stupide. Et l'autre elle la pousse à chaque fois vers le haut, du coup fuck it quoi. C'est vraiment débile quoi. Ah bah alors ici, passe de l'autre côté. Nice, petite pièce gratos. Allez quoi. Moi cette saloperie quoi. Oh là là, il y en a une autre. On a une bombe, on a une bombe. On va pas la mettre dans celle-là parce que là il y a des vases avec dans celui-là. Voilà, du coup on peut genre comme ceci un peu péter les trois, c'est possible. Hop, parfois doré, c'est cool. C'est tout de suite moins cool parce que ça ne sert strictement à rien. Ça permet de pas prendre dégâts sur les pics qui sont par terre. Ça fait bien chier. Ok. Voilà, il casse lui-même, c'est parfait. Oh merde, heavy lop. Oh mon dieu. On va croiser Satan. Oh putain. Ah mais non mais non mais laissez tomber. Super. Et en plus j'ai failli mourir en fonçant son droit. Putain c'est si dur que ça de donner des bons objets. Enfin, pas forcément un bon objet mais un objet utilisable en fait par le perso. Ah. Belle. Allez, encore un deuxième. Alors là du coup ça, ça oblige les trucs avec Satan à chaque étage. Bon bah c'est génial, Dead Cat, allez. Putain. Je reviens. Et donc ouais, c'est vraiment ce qu'on m'avait dit, si vous la chopez pendant une salle de justement de pack de Satan. Ah ça c'est extrêmement drôle. Ah oui, ça c'est extrêmement drôle. Non mais c'est une blague. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça force automatiquement les salles de... du diable, c'est de la choper dans la salle du diable. Bon bah... reset. De toute façon on peut même pas sortir de cette mort perpétuelle. C'est vraiment de la stupidité quoi. Oh putain, charme de vampire qu'on peut pas utiliser. Aïe aïe aïe, le virus.
Carlost. Bon allez. Tac tac tac. Donc la rouge elle va exploser. Celle qui est vraiment très rouge là. Soigne. Bon, au moins c'est utilisable j'ai envie de dire. Ouais, la seule du boss est toute là à côté. Pourquoi pas, j'ai envie de dire que la seule du boss soit à côté, mais c'est vraiment chelou quoi. Oula, oula, on se calme. Ah, ça me saoule pour la run d'avant, c'était vraiment un départ de port, mais dommage que la Goat Head on ne l'ait pas eu dans une salle à part quoi, un coffre rouge, un coffre doré ou quoi que ce soit. Aïe 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 aïe. Du putain de lait, ok, on va essayer de trouver une clé pour le marchand. Voilà. Bon, allez hop, tac. Ça a plus de malédiction à la con. Ah mais ça augmente. Ça augmente les villes, non? Oh là là, je crois que ça augmente les villes. Ah mon dieu, mais qu'est-ce que je fous dans ce jeu quoi. Aïe 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 aïe. Bon, eh bien, soyons fous. Yep. Allez, on finit ça. Ça doit aller juste à côté. Putain, mais allez, Amega, ça c'est vraiment... C'est vraiment horrible quoi. Et pardon, j'ai éternué, j'ai pas le temps de couper. Oh, nice, Rotten Baby qui fait des petites mouches. C'est très très bien, très très puissant, c'est super cool. Certainement un des meilleurs familiers, je dirais. Je le mets facilement dans un top 3 perso. Les mouches, elles vont directement sous les ennemis, c'est génial. Quoi. Enfin, les ennemis sont quand même un petit peu à côté, hein, faut pas déconner. Ça reste très très puissant. Quoi. Des moments elles veulent pas partir hein, mais bon ça c'est pas grave. Je vais y faire. Un petit Kyogre là. Putain. Dans les coins ils sont assez horribles, encore que c'était des versions normales, parce que les versions améliorées s'ils explosaient ou autre, ça aurait été un peu le cauchemar. Et encore une clé. C'est trop. Oh putain de merde, oh putain de merde. Allez. Allez, un bon item, bon item. Ouais, damage plus range up, c'est cool. Ok. Donc maintenant on pacte avec Satan avec des items, on prend pas les items et on est content. Voilà. Une bonne salle dorée, s'il vous plaît. Putain. On a des bons dégâts là déjà. Les mouches et les larmes, ça tape bien fort déjà. Cette femme avant qu'elle me saoule. Non. Ils n'ont pas les chances de poser le diable. C'est pas bien. Ok. Ok.
Et on s'en fout. Toujours pas de bombes, hein. Les bombes ne veulent pas venir, c'est incroyable. Je me demande si ce familier est coûté pour la panne, pour la transformation en mouche en fait. Je pense pas. Logiquement non. Donc à la base c'est un familier, c'est pas un truc de mouche. Vidéo, ok. Vidéo version je pense les grosses araignées, du coup on va vite le focus rapidement si possible. Voilà. La box, ça c'est cool, ça donne un item de chaque. Alors, Kane's Eye. Je sais pas ce que ça fait. Petit Fly, c'est cool. Ok. Putain, Dead Cat, l'Eternal Life, purée. Les pills, ok. Donc, Dead Cat 9 vies et l'Eternal Life qui peut nous ressusciter de temps en temps. Oh là là. Si on tombe vraiment sur Satan là, ça... enfin sur les salles d'ange, putain, c'est magnifique quoi. Putain quoi, ah, ça. Je sens que ça va être de la tristesse cette run là. Du coup, qu'est-ce que j'ai laissé dans l'autre salle? C'était pas comme carte, je sais même plus. Ah, ça me chier. Je crois qu'il y avait une pilule ou. Bon, tant pis hein. On n'y peut rien. Actuellement, on a. Plus une carte. Il y a une autre carte ici. Ah, c'était une carte conférence, c'est ça, ouais. Si mes souvenirs sont bons, c'était une carte conférence. On s'en fout un peu. Alors, le petit œil de Kane là, je sais pas ce que ça fait. Bah. Ça rapidement, hop, mouche là, nice. Ah pourtant là je suis bien confiant, mais putain il faut juste les tubes de l'ange quoi, c'est le seul problème quoi. Putain de merde, il est une mort. Bon, ça a rien de faire cette salle, de toute façon il y a rien qui suit derrière. Ah, quand je dis y a rien qui suit derrière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre salle derrière en gros. Pour ceux qui se poseraient la question. Il fop, c'est cool mais il plutôt sympa pendant ce temps. Oh putain, oh là là là, là deux morts, c'est pas cool. Ok. Oh, on a pas mal de pièces, what the fuck. Pas plus que ça. Pas spécialement fait, attention. Bon. Enfin, j'avais pas envie de prendre les bombes. Après en avoir pété une ou deux, là je me suis dit mais je vole, de toute façon je peux pas toucher sur les petits trucs sur le côté et être safe quoi. On a trouvé la salle du boss, ça c'est cool. Là. Reste calme. Ça va bien se passer. Magic 8 Ball qui permet de tirer peut-être d'une carte Joker.
Bon, la paix à cet étage, du coup, allons-y. Oh putain, Mighty Shield, Feel Guarded. Ça, ça nous protège dans la direction où on le met. Si on fait du lance, ce serait juste magnifique. On va y arriver, franchement. J'ai un peu les boules, je ne me cache pas. Ok, tirer de devant. Il a tiré devant encore. Diagonale. Ok. Je reste pas trop devant puisque ben. Tire devant. Hein. Okay, diagonale pour l'instant. Ok, ok, ok. On l'a. Yes! Première partie de la clé. C'est cool, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. C'est que ce bouclier là, je crois qu'on va être pas mal par la suite. Du coup, bien content là. Bien content. Pour la salle dorée maintenant. Juste là normalement. Ouais. Du coup, on a deux morts dans le compteur. Et déjà une partie de la clé. Et on a toujours le dé de 4. C'est vraiment super quoi. C'est. Ça s'annonce bien. Oh putain, le halo qui augmente toutes les stats de 1. Est-ce qu'on est passé à 4? On n'est pas passé à 4 en dégâts. Mais c'est pas grave, ça augmente la vitesse de tir, la vitesse de déplacement et tout le bordel. C'est très très bien. Par contre, ça augmente pas la chance. Hein. Ça, c'est un truc à noter. Que du coup le All Stats Up n'est pas vraiment bah, réel quoi on va dire. On prend ça, étage suivant. Allez, il nous faut une salle de l'ange. Juste une. Ouais c'est bien, c'est capillaire, non mais ça marche pas. Bon, pas grave, peut-être ça force la salle de l'ange, vu qu'on a plus d'objets angéliques, on va dire. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Ah putain, je l'ai pas vu. Ok, la mort stupide, numéro 2. Numéro 3. Troisième mort. Vision. Bon bah, ça marche pas de toute façon. Pas d'utiliser ça maintenant. Bon, je me suis dit, ouais, peut-être ça donne la carte. Mais non. Un peu fort, mais bon, ça aurait pu marcher hein, quand même, on sait jamais. Ok, ça c'est cool parce qu'on vole, du coup on est tranquille pour les tuer, ces stupides araignées là. Ah là là, ça fait du bien d'avoir des salles de l'ange quand même, de temps en temps. Ça fait du bien. Il y a aussi un départ comme ça avec. La carte Joker qui nous a aidé mais d'une force mais incroyable. Et puis le Dead Cat, celui de l'Eternal Life quoi. Les... Donc plus qu'à se transformer en chat franchement, et là c'est ça va faire vraiment très très mal quoi. Y'a pas trouvé un truc qui me rende invincible en ben, seconde. Puis voilà. En tout cas pour l'instant faut rester calme. Et assurer ses moves. Par contre ce qui va me faire peur c'est que si j'ai un pack avec Satan, c'est un troisième item du chat, ça me rend triste de pas pouvoir le prendre. Mais bon, on le prendra pas. Parce qu'il faut qu'on ait la deuxième salle de l'engin là, on n'a pas le choix. Clé dorée, c'est cool, on peut prendre le marchand gratos et tout ce qu'il offre en fait, enfin tout ce qui a besoin d'une clé. Stage gratuitement, lockdown, ok. L'up, on s'en fout un peu. Alors, salle dorée, qu'est-ce que tu nous réserves? On verra ça quelques secondes. Game Kid. Putain, ça me rend invincible. Mais bon, c'est pas la meilleure des invincibilités, mais bon, tu peux mettre en deux 4, je crois que ça fait spawn les mouches quand même du coup. Putain, ça pourrait faire combo et finir la run en 2 secondes quoi. Oh là là. Prendre ça. Je vais de recharger plus vite. Oula. Oula. Oh putain. Cool. C'est très bien, ça fait partir le tir très rapidement. Quasiment toute la salle avec, j'aime beaucoup. C'est l'effet giclé, hein, pas possible les monstres. C'est très très bien comme item, je trouve. Et vu que je sais pas ce que fait le truc de Kane, hein, bah,
Peut-être que c'est très bien, hein, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ok, salut boss, on a déjà fait la salle dorée. Tout le bordel, hein, quasiment on a fait. Putain. Bon, rien fou. This is Juice qui augmente les dégâts et la portée, c'est cool. Et il nous faut toujours une deuxième salle de l'ange, hein. Allez, allez, allez. Ah, dommage. Dommage, hein, dommage. Hein. Aussi rapide. Je pensais qu'il y avait encore une vague perso. Ouais, on s'en fout un peu. Doubler les pièces actuellement. On va sortir pour y aller tout droit. C'est. Ok, on monte. Tac. Sur l'explosion, s'il pète. Alors, ici nous avons rien du tout. Tac et d'un. Attention à l'explosion de l'autre, je pète. Putain. Ouais, il pète. Il pète actuellement. Hop. On a fait tous les tâches pendant ce temps, c'est pas bien grave. Ça aurait été cool d'accélérer un peu nos fesses pour aller au boss fight, histoire de peut-être choper juste un item, crever derrière, on s'en fout. Voilà quoi, ça aurait été bien. Un item supplémentaire actuellement là, au niveau du temps, ça a l'air un peu chaud d'y aller. Mais on sait jamais, on peut toujours y aller. On demande si on doit clean tout l'étage là, et là pendant ce temps, on a l'impression de devoir clean tout l'étage, et ça c'est pas une bonne chose. Pas du tout même. Putain, nombre de bombes, ça c'est cool. Nombre de clés aussi, c'est plutôt cool. Ah, oh là là, la salle de merde. Oh putain de bordel. Ok, salle dorée. La lance de tir est pas incroyable. Quoique, elle est pas mal, je crois. Bon, allez, on augmente nos dégâts. Tire lentement. Moi les mouches vont faire extrêmement mal désormais. Une petite pièce. Ça va nous protéger aussi. Oh putain. Ouf, le bouclier m'a protégé, je crois. Celle de l'ange, s'il vous plaît. Alors on va voir ce qu'il nous propose quand même. Oh, Babylone. Ah, ça aurait été bien, ça aurait été bien. Mais non. On ne prend pas, parce qu'il nous faut la salle de l'ange. Surtout qu'il nous reste peu de chance avant d'avoir une salle de l'ange encore quoi.
Alors, actuellement, il nous reste 4 minutes. Ok, ça va le faire. Peut-être qu'un peu de chance, on arrive à vite y aller. Yes, ok, on va le garder, c'est beaucoup mieux. Putain, il était chiffré, il a encore un bon taf là, niveau blocage. C'était bien, c'était bien. On a pris tous les mauvais chemins pour l'instant, comme d'hab. On sait jamais, ouais, faut dorer, ça va aller. À droite. Oula. La seule piège que je me prends souvent dans la gueule. Lockdown et ça. Puberté, on s'en fout. Ah. Ça va, c'est pas la pire de celle avec les masques. C'est bloqué. C'est tellement moche. Oula. Voilà, je suis mort. Non, juste pas. Juste chance. Voilà. Je suis mort. D'avant. Deux minutes. Ça peut le faire. On a combien de morts? 3. On n'a pas trouvé la salle dorée. Hein. Oh putain, on doit refaire la petite salle. Oui, oui, ça va être chaud. Je pense pas qu'on aura le boss rush là du coup. Je pense qu'on a après quoi. Elle est mouche, allez vous tuer dessus. S'il vous plaît. Non. C'est bon. Très très bien. Cupid Zoro qui traverse tout. On va claquer une pièce, enfin une clé pour ça. Ok. Onze. Il traverse tout, qui traverse tous les ennemis. Hein. Ça, comme la brimstone, ça passe tout droit. Une minute. Hein. Mam. Putain les boules. Putain la petite larme qui a failli me toucher. Oh putain, l'explosion là. Ok, la pola, clairement. Le Polyphemus ou le masque. Oh, le Polyphemus, ça pourrait me faire des dégâts assez énormes, hein, je crois. Alors, je vais checker ce que ça donne exactement, le Polyphemus. Bon, actuellement, ça va encore ralentir ma vitesse de tir. Du coup, j'ai un peu les boules. Et ça, ce serait pas mal. Les méga bombes. Allez hop, on prend ça. Parce qu'en fait, je peux me prendre dans ma cible et du coup, les méga bombes, ça peut vraiment faire quelque chose de très très puissant, je pense. Mes dégâts sont loin d'être dégueulasses. Bon, ça aura fait des mouches de la mort ultime, hein, mais bon, c'est pas grave. J'avais peur de chercher trop pour un premier tir, du coup, pas prendre le risque. Sinon,
sinon clairement j'aurais pris le bonus Phébus en temps normal, hein, je pense. Et là je me dis que peut-être Méga Satan avec la masse mobilité, je peux poser 10 000 bombes à côté. C'est peut-être meilleur au fond. Après peut-être que je me trompe, hein. On va déjà avoir la deuxième partie de la clé, hein, pour commencer. Combien de morts déjà? 3 ou 4? Je sais plus. Bon, la mouche elle veut bien le tuer là. Elle veut pas. Il travaille. Fuck, ça va pas être très difficile. J'espère que j'ai pas regretté d'avoir pris les bombes, hein. Sinon, la misère. Et je pense qu'avec le polyphémie ça aurait été tout aussi bien. Ah, de toute façon, s'il y a un d'entre vous qui veut tester, vous avez le seed là, voilà, qui s'est affiché. Voilà. Alors le qui... Oh, ok, une mouche à Paris. Hop là, on peut tuer un caca rouge, ça fait extrêmement mal cette merde. Enfin, ça me tue, hein, actuellement. La mort. Ok, monstre. Hop, Chad. Oh putain. Faut que je fasse un peu plus attention quand même à tout ce qui m'arrive sur la gueule, hein. Tout ce qui pourrait m'arriver sur la gueule aussi. Alors c'est le chub, ouais. Avec Gurney. Et après je crois que c'est The Bloat. Ou alors des trucs volants. Je sais plus. On se mettra de toute façon sur le caillou en haut à droite. Je vais y aller d'ailleurs. Ah, ok, monstro 2. Ish. Forcément plus mignon. Attends. Putain. C'est horrible de savoir où c'est qu'ils sont positionnés. C'est pour ça que j'aime bien en tuer un rapidement. Là c'est chaud au niveau des dégâts quand même d'en tuer un rapidement. Ah putain, bon voilà. On a notre mort. C'est pas grave, il nous en reste 4 encore. 5, je sais pas trop. Bon, il nous faut la salle de l'ange du coup. Il faut éviter de prendre des coups, sinon on réduit les chances de faire apparaître forcément la salle de l'ange. Alors on fait pas de conneries, si possible. Si possible pas des salles trop difficiles, comme ça on sera tranquille. Alors notre petite salle de l'ange, faut surtout pas se faire toucher par ce stupide ange, hein, quand même. Et vu que j'en ai pas vu des millions, bah je connais pas trop leur pattern et je sais pas si chacun ont leurs attaques spécifiques. Je pense que oui quand même. La tique, c'est tentant. Juste checker à combien, comment partent mes tirs. Waouh, non, c'est trop chaud là. Je préfère qu'ils partent bien droit avec le petit truc que j'ai là. Vraiment génial quoi. Surtout que mascara là, Eve's mascara. Du coup, non, vaut mieux que je reste comme ça.
pièces qu'on ramasse bien sûr hein. Ok. Boss, c'est trouvé. Allez, on y croit. The bloat, what the fuck. Oh putain, pas de salle de l'ange, c'est sérieux. C'est sérieux. Non. Oh là 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 là, il reste plus que l'étage suivant, hein. C'est la dernière chance. Oh putain de merde. Sincèrement. Je cherche la salle secrète. Coffre rouge. Épée. Ah putain. Aïe 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 aïe. Oh putain de merde. On l'aura pas. On l'aura pas cet ange, je sens qu'on ne l'aura pas. Putain de merde. Faire des runs qui dépendent d'un truc aussi, autant aléatoire, c'est chiant en fait. Parce que déjà qu'ils font un build de malade avec The Lost pour y arriver. Alors en plus de devoir avoir forcément cette fucking ange qui vient de nous donner la clé ou alors la Datsuki, c'est vraiment quasi impossible quoi. Les chances sont tellement minimes, c'est juste abusé quoi. On va t'en aller là-bas. Attends, je me suis pas fait toucher de... en tous les tâches quoi, c'est chiant. Oh putain de merde. Oh putain la salle de merde. Oh putain. Oh putain, je l'avais pas vu. Je sais pas c'est quoi qui l'a arrêté. Peut-être la Pretty Fly, peut-être le bouclier. Mais OMG quoi. Merci quoi. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Parti au mauvais endroit. Oh là 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 là. Eh la mouche. Très utile, The Lovers. Aïe 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 aïe, tous les mauvais endroits. C'est chose faite. Je les aime pas ces machins. Bon, Dingle ça devrait le faire normalement. Troisième, non, c'est tout fait. Tac, il y a des petits caca qui restent. Alors on a une salle du dé. Est-ce qu'on prend le risque? Wow, truc à faire, allez. Là checker ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Oh là 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 là. Inutile, inutile, inutile. Bon là qui ça va pas être très difficile. Et après c'est shot. Chub je crois, chub normalement. Ouais, c'est lui. Bien loin ça doit le faire. Voilà. Putain, la troll bombe qui sort en plus. C'est cool. De chocolat, je sais pas du tout ce qu'elle fait encore une fois. Alors je pense que la salle du boss doit être par là, franchement ça m'a l'air pas mal pour moi. Télépills, j'aimerais bien mais je trouve ça un peu risqué là. Ça m'a l'air d'être le bon endroit, ouais. Ah, des dégâts incroyables quand même hein, c'est... ça passe. Allez à gauche la salle du boss, non. Elle doit être juste là-bas en haut alors je pense. Enfin je l'espère qu'elle est juste là-bas en haut parce que sinon putain. Oh putain de merde. C'est pas un caveau gris, on sait jamais. Je dirais pas.
Ok. Live, c'est parti. Allez, ça va pas être très difficile normalement. Se faire toucher maintenant, surtout pas se faire toucher. Une grange. On a déjà pété. Oh putain de merde, l'alarme. Oh, avec des fucking granges, je suis là. Oh mon dieu. Non, fuck. Pourquoi j'ai pas utilisé la Game Kid? Oh merde, je suis con quoi, mais con! Oh putain! J'ai foutu en l'air une bonne run! Non mais c'est con quoi! Oh là 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 là, purée la déception! Mais... Je suis vraiment trop stupide! Pourquoi j'ai eu. J'ai simplement pas utilisé quoi! Je l'utilisais, je posais une bombe et hop, c'était fini! Putain de merde quoi, oh là 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 là. De toute façon on peut pas avoir de sale danger maintenant du coup soit on a la dead ski soit bah c'est foutu hein. Du coup on va aller jusqu'au bout et puis bah on va pleurer puisqu'on n'aura rien. Ce sera exactement ça. Oh purée. Bon allez, je prends le risque hein, de faire ça. Limite c'est le seul truc qui me permet d'aller encore à la salle d'ange hein. Bon ouais, en plus on a un chevalon. Non mais c'est... Je checkais si ça me tuait pas. Ça me tue pas. Ok, bon bah. Voilà. Comment foutre en l'air une run qui était easy win hein. Easy win. Plus facile que ça, c'était foutu. Oh là 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 là. Mais je suis con quoi. Oh ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Pourquoi je continue, j'aurais même pas de dead ski quoi. Pff, ah là 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 là. Même le jeu il m'en veut. Oh là 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 là. Please quoi, donnez-moi la dead ski. Oh là 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 là. Je suis tellement dégoûté les amis, vous pouvez même pas savoir à quel point quoi. C'était tellement mais easy mais. Easy win, hein, x 1000. Le Satan là, oh là là, il passait tellement facilement avec ce build. Putain quoi. Oh, yo, 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 yo. Mon dieu quoi. Juste appuyer sur une game kid. Juste appuyer sur une game kid pour win. Aïe 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 aïe. Bon, avec un peu de chance on aura la dead ski hein, avec un peu beaucoup de chance même je dirais. Faudra plus que de la chance là. La chatte de l'année faudra. Ah je vous jure, je suis deg mais à un point mais juste incroyable. On avait tout pour survivre hein.
le méga Satan le plus facile du monde gâché quoi. De chance sur 1 million. Non. Ok, bon bah maintenant on croise les doigts pour l'avoir après. Putain, c'est incroyable comment j'ai fait quoi. Vendu la game. Bah voilà. Hop, il nous restait une ou deux vies, hein. Même pas, une vie. Voilà, on a vendu la game. Aïe 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 aïe. Déception quoi. Y'a pas d'autre mot. Ah mais je suis hyper deg là, vraiment. Putain. Yep. Backfly. Girlings. Rosarie. On va faire des petites salles plutôt, parce qu'on est un peu dans la merde. On va se mentir. Yes. Et la run, la reflète. Mon dieu. Comment j'ai osé faire ça quoi. Oh là là, je crois que j'allais me cacher sous un pont quoi après, parce que là... Aïe. Le pire c'est que j'y crois encore, c'est ça le pire. Je me dis qu'avec un peu énormément de chance, je pourrais avoir une date ski. Ça m'étonnerait. Tellement il y a des thèmes, hein. Plus de 300. Hein. Vraiment la chance de l'année quoi. Bon bah voilà. C'est dommage, c'est dommage. Allez quoi connerie, tout rien quand même. Aïe aïe aïe. Lentissement là ça va pas te faire. Ah bon voilà, c'est fini. Ah même pas, j'ai l'Eternal Life. Oh, putain. Comment me donner encore plus envie de pleurer quoi. Putain quoi. Oh là 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 là.
J'ai tellement vendu cette game. Interdit ce que j'ai fait, interdit quoi. Et avant qu'on ait une run de nouveau comme ça, ça va prendre 10 ans quoi. C'est ça le problème. Tellement envie de pleurer quoi. Oh là là là. C'est horrible, juste horrible. Allez, coin deadski, c'est tout ce que je demande. Pour ma connerie. Allez, je mérite comme ça, non? Ah, à chaque coffre, je me dis yes, 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 et non. Dans l'anus. Ah. Putain. Ah. Monstre de pouf. De bloat. Oh, les ciseaux. Pas terrible. Hein. Oh là là, double the cage. Putain, ça n'arrive à se faire ça, sans trop de problème. Comment ça aurait été à Mega Satan quoi. C'était le fist quoi. Oh là là. Trinity Shield est complètement craqué quand même, hein. Putain, ça y a pas à dire. Hein. Ma connerie est complètement craquée aussi, hein. 10 sur 10 ma connerie. Putain, allez quoi. On a eu tellement d'items. Oh bah super, on a même plus la carte. Aïe 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 aïe. Non non non, y'a rien d'autre là-bas, là, c'est tout bon normalement. Je crois qu'il me restait une salle ou deux, qui doit être par ici, je crois. Voilà. Dark One. La dernière salle pour moi. Et voilà, c'est foutu. Putain. Aïe 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 aïe. Il y a encore une salle ici, peut-être. Ouais. La mitre. Et voilà, c'est foutu. Je crois qu'il y a plus de salle. On va tuer le dernier boss classique. Vous allez voir, hein. Je peux me mettre en mode game kid, je vais me coller, je vais poser des bombes et c'est ce qui aurait dû se passer avec ça. Les gars sont pas incroyables mais bon, ça fait déjà le taf quoi. Que Trinity Shield et toutes les mouches là, ça aurait pu vraiment le faire quoi. Bon voilà, on est même mort là-dessus. Mais il est mort. Super, bon bah deuxième chance. Ça sert à rien de le tuer, strictement à rien quoi. Limite je pourrais ne pas bouger en fait. Trinity Shield, mais bon je me dis que je bouge quand même parce que je sais pas vraiment comment ça fonctionne ce machin. Ouais, ça aurait été trop facile je pense. Beaucoup trop facile.
Ça fait chier. Ça fait super chier. Même frappe si... Il fait de la merde, il frise un peu. Voilà, c'est bon. Ah, win streak, on est repassé à 1, c'est bien. C'est bien. Voilà. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser, hein, c'est bon. Je me suis pris la mine, là. Je me suis pris ma propre mine dans ma gueule. Oh, putain. N'hésitez pas à liker et partager. Et puis, voilà, pleurez sur les commentaires avec moi. À très bientôt. Ciao, ciao.